messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Après le départ de plusieurs membres du Sénat élus députés nationaux, le président du bureau de cette chambre haute du Parlement, Sangouma Mossai, a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des questions liées au fonctionnement du Sénat étaient évoquées au cours de cette entrevue. L'état des lieux actuel du Sénat, des questions liées au bon fonctionnement de cette chambre haute du Parlement ont été abordées au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce jeudi dans la soirée avec le révérend docteur Sangouma Mossai, président du bureau du Sénat. Vous savez que c'est moi qui fais maintenant l'intérim comme président du Sénat depuis que les 5 autres se sont vexés au niveau de l'Assemblée nationale. Il était simplement moi et honorable Nathalie qui maintenant gère le Sénat à l'heure actuelle. Je devrais avoir de ses propres bouches qu'est-ce qu'il pense au niveau du Sénat et aussi faire l'état des lieux de ce qui se passe au niveau du Sénat pour avoir aussi son soutien. L'état des lieux, vous savez, il y a plusieurs besoins là où les sénateurs veulent aussi avoir leurs émoluments en bonne et due forme et aussi d'autres besoins liés aux soins de santé et aussi les moyens de transport pour les administratifs. Lui avait reçu ça à bras ouverts et m'a simplement encouragé qu'il va tout faire pour rendre aussi le Sénat très agréable et puis commode pour la vie actuelle. Le révérend docteur Sangouma a aussi remercié le président de la République d'avoir nommé Mme Judith Suminwa Tuluka aux fonctions de Premier ministre. Il s'agit d'un choix qui, selon le président du bureau du Sénat, a été bien accueilli par la population. Le haut représentant des Nations Unies aux droits de l'homme était dans nos murs. Eh bien, cette haute personnalité américaine a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les souffrances des déplacés dans l'est du pays ont été évoquées au cours des échanges avec le chef de l'État. En séjour en République démocratique du Congo, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu à se rendre d'abord dans l'est du pays avant de venir à Kinshasa. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine, Volker Turk a dit avoir rencontré des déplacés à Goma, au Nord Kivu et à Ituri, où il a touché du doigt les souffrances de la population victime de la violence des groupes armés. Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante, sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions droits humains. Comme vous savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. J'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est, et j'ai vécu par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Ces propos relatifs à l'appel à la communauté internationale face aux souffrances de la population dans l'est de la RDC, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a promis de les consigner dans un communiqué sanctionnant la fin de sa visite en République démocratique du Congo. Les hauts fonctionnaires des Nations Unies étaient conduits auprès du chef de l'État par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Pour sa part, Fabrice Puella, ministre sortant des droits humains, salue la diplomatie du chef de l'État grâce à laquelle ce haut fonctionnaire des Nations Unies est venu s'imprégner des souffrances de la population de l'Est de l'RDC. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est une très haute personnalité. Il ne se déplace pas comme il veut, c'est toujours à la suite des grandes démarches diplomatiques. Et qu'il soit venu chez nous au moment où il était attiré par d'autres États comme l'Ukraine, Mozambique, tout comme maintenant
en Israël. C'est une grande réussite diplomatique qu'il faut mettre dans l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons eu l'avantage d'insister parce qu'on voulait l'en empêcher, on voulait les dissuader, mais avec nos différentes visites, nos séances de travail à Genève, nous lui avons fait voir qu'il était important qu'il arrive en République démocratique du Congo pour lui-même se rendre compte de la précarité que vivent nos compatriotes, les déplacés de guerre. Mais il est venu, il s'est rendu compte du grand travail qu'on a bâti sur le plan des droits humains avec le vote de la loi modifiant le code pénal, réprimant le trafic d'êtres humains qui aujourd'hui nous vaut 2 ans de visa pour même les touristes, parce que sur le plan des droits humains, nous devenons très fréquentables. La loi sur les réparations, grâce à laquelle nous avons Fonarev, dont le DG est à nos côtés, c'est une première et c'est bon pour réconcilier les victimes avec la République démocratique du Congo, notre pays. Poursuite de consultation à l'immeuble du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka recommande aux différents regroupements politiques de tenir compte des attentes du peuple et de respecter le critérium. Ils ont un temps réduit pour déposer les listes des candidats répondant au profil. De nombreux détournements des fonds publics mis à la disposition de l'armée, des officiers de haut rang ont été condamnés à des peines maximales. Les forces politiques alliées à l'UDPS, prêtes à servir dans le gouvernement, encouragent le contrôle sévère. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions de militaires. Poids politique, jeunesse, genre, des critères pour figurer sur la liste à déposer auprès de la première ministre. Le gouvernement souminois tient prioritairement compte des compétences et de la probité. Le regroupement AAND est prêt. Nous sommes prêts en réflexion, en matière et même en hommes ou aux personnalités qui peuvent faire partie de, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Au cours de ses échanges avec l'UDPS, Kibassa et Alliés, la chef du gouvernement a brossé les grands axes du programme de son équipe. C'est important d'avoir les gens qui ont le sens de l'État. Et donc il est plus qu'important de faire en sorte que, vous avez parlé de la probité, de la compétence et d'autres critériums qui feraient en sorte qu'on puisse avoir vraiment des hommes et des femmes capables de bien défendre la République. Le regroupement politique Palou et Alliés, sous la conduite de Didier Manzenga, après échange avec la chef du gouvernement, dit être prêt à déposer la liste de ses candidats. On doit aussi considérer les poids sociologiques des partis Lumumba Sinifié. Non seulement ce sont des députés qui accompagnent l'action du gouvernement, mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Didier Boudimbou, avec autre vision du Congo AVC, reste disposé à servir le peuple. Ce regroupement promet de produire des résultats dans l'équipe gouvernementale. Nous attendons tous que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres, tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons, et parce que le plus important, ce n'est pas le nombre des ministres, mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain. Compétences et probité morale, je crois que ce sont des valeurs cardinales. Et c'est ce qui nous a manqué pendant des décennies. Et si elle tient à cela, et qu'elle s'y accroche, et qu'elle arrive à obtenir cela, je crois que les changements tant souhaités vont se déployer en si peu de temps. L'alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés critique les dépassements budgétaires. Paul Chilumbo et le regroupement ATUA encouragent la discipline et le rétablissement de l'état de droit. J'ai dit à Madame la Première Ministre que vous êtes le médecin désigné par le Président de la République pour soigner notre justice. Une semaine chargée, des délais précis ont été accordés au regroupement pour fournir des documents attendus.
Ce qui se passe en République démocratique du Congo dans sa partie est doit attirer l'attention internationale et on va continuer à faire les plaidoyers. C'est la réaction du haut commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme. Ce dernier a été reçu par la première ministre. Le nombre des camps de déplacés se multiplie dans l'Est, partie où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Les conditions sont précaires. Le haut commissaire aux droits de l'homme exprime sa solidarité aux populations qu'il a visitées. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka garde à l'esprit cette urgence du rétablissement de la paix. Son premier message avait été adressé aux compatriotes vivant dans cette partie. Au cours de cette audience qu'elle a accordée à ce haut fonctionnaire des Nations Unies, Volker Türk, les questions humanitaires ont occupé les échanges. La situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire. À cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits, c'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour que ça, qu'on trouve une solution à cela. Le haut commissaire des Nations Unies a apprécié ce premier échange qui augure une collaboration entre le gouvernement en élaboration et les Nations Unies autour des questions préoccupantes. Peu avant de s'envoler pour Genève, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est confié à la presse sur certaines questions liées aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le haut commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme a animé une conférence de presse ce jeudi soir à l'aéroport international d'Ndjili. Devant le journaliste accrédité à la MONUSCO, Volker Türk a détaillé les difficultés qu'éprouvent les Congolais cantonnés dans les camps des déplacés de Goma et Bunia. Ces déplacés ayant fui la guerre à répétition vivent dans les conditions inhumaines. Les enfants sont traumatisés, ne sont pas scolarisés. Volker Türk était frappé par l'accumulation des événements de souffrance dans cette partie du pays. À ce jour, la province compte quelque 1,8 million de personnes déplacées. Bien que les conflits qui se déroulent dans ces deux provinces soient différents, le résultat est tragiquement similaire. Les personnes présentes sur les deux sites m'ont décrit comment elles avaient fui les combats et qu'elles cherchaient désespérément de l'aide et du soutien. Comme me l'a dit un défenseur des droits humains, la guerre nous a tout volé, y compris notre avenir. En réponse à une question de la presse, Volker Türk a évoqué les efforts que doivent déployer les autorités congolaises pour renforcer l'intérêt de tous dans la mesure d'assurer la protection des personnes dans les moments difficiles. Volker Türk a également échangé avec les hauts responsables du gouvernement, les représentants de la société civile, ceux de la Commission des droits de l'homme et de la communauté diplomatique en poste à Kinshasa. Autre chose, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé à Kitona, dans le Congo central, où il a eu une causerie morale avec les officiers sur la sécurisation de la population et de leurs biens. En séjour de travail à Mwanda, au Congo central, le chef d'état-major général de l'UFARTC s'est adressé ce jeudi 18 avril 2024 aux militaires et policiers réunis dans une parade mixte dont la base militaire de Kitona. Le général d'armée Tshuo Isongisa Christian a appelé les forces de défense et de sécurité à la collaboration, à la vigilance, tous azimuts, à la loyauté envers les commandants suprêmes et les institutions de la République et à la protection de la population et ses biens. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont été parmi les points développés au cours de cette rencontre. Bazana Kitona ezala mwanda lobaki soki okomi opeselanga bango nyonso mbote. Pwa liboso c'est la mission ya armée. Nazala besoin bino ba soldat, ba officier ezala ba oyo Goma, Bukavu, partout. Na ba oyo mission ya FARDC c'est la protection de l'intégrité territoriale. Donc nous devons défendre en haut jusqu'à la maquilla de la mission ya souka. Pour défendre la patrie
il faut être loyal. Mais on a dit qu'on s'est fait dans l'encontre. Parce que vous avez joué double rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Est-ce réellement cette population est protégée? Sauf que la population les a protégés. On va dire que nous avons trahi des vis la vision. On soit pas lâche. Parce qu'on a passé l'entraînement, on est lâche. On est filmé. Le général Tchou a profité de cette occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes des dernières sessions de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie des régions de Kitona et le militaire responsable d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. Le ministre sortant de Petites et Moyennes Entreprises a eu une séance de travail avec une délégation de l'Agence française pour le développement sur le financement des activités des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Depuis 2023, l'Agence française de développement, AFD, a initié le projet pour elle, un projet d'appui aux femmes entrepreneurs congolaises qui mobilise à la fois les acteurs publics du ministère de l'Entrepreneuriat. Elle a pour vocation de financer et d'accompagner les femmes entrepreneurs porteurs d'initiatives entrepreneuriales, également tout écosystème qui va leur apporter les accompagnements et financements. La délégation du ministère de l'Entrepreneuriat congolais, conduite par le ministre des tutelles, Désiré Nzinga-Birionze, a eu des échanges effectués, notamment avec la coordinatrice d'unité entrepreneuriale de l'AFD et avec le directeur exécutif de cette agence. L'entrepreneuriat est l'un des axes importants de la vision du président de la République. C'est dans ce cadre-là que le ministre, son Excellence Désiré Nzinga-Birionze, a pu initier cette mission pour pouvoir discuter avec l'Agence française de développement, qui est un partenaire au gouvernement congolais, qui a également ciblé l'entrepreneuriat comme l'un de ses axes d'intervention. Le directeur exécutif de l'AFD, Pape Amadou Sarr, a promis d'envisager le positionnement de la RDC en tant que l'un des pays bénéficiaires de l'initiative Choose Africa et de la deuxième phase du projet pour elle. La formulation de la deuxième phase du projet pour elle, mais aussi par rapport à l'initiative Choose Africa 2, voir comment est-ce que la RDC peut être positionnée comme étant l'un des pays bénéficiaires et pouvoir lever suffisamment de financement. Disons que l'Agence française de développement est l'un des partenaires du gouvernement congolais qui a ciblé l'entrepreneuriat comme l'un de ses axes d'intervention en République démocratique du Congo. Coopération bilatérale sur le plan commercial et économique entre Kinshasa et Brazzaville se porte bien. C'est ce qu'a affirmé le directeur général du Centre international des conférences et grand tel de Kintele qui était de passage à Kinshasa. La République démocratique du Congo et la République du Congo, deux pays, deux peuples, mais unis sur le plan culturel, historique et économique. La proximité particulière de leurs deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, séparées par le fleuve Congo, renforce cette singularité. Sur le plan commercial, le Centre international des conférences et grand hôtel de Kintele, situé à Brazzaville, accompagne activement le développement de deux Congo et le bien-être des deux peuples. De passage à Kinshasa, capitale de la RDC, le directeur général de cet établissement l'a reconnu. On ne peut pas parler de Brazza sans parler de Kinshasa. On ne peut pas parler de Kinshasa sans parler de Brazza. Stratégiquement parlant, économiquement parlant, c'est très important. L'année 2023 était une très bonne année. D'abord, on a eu l'occasion et la chance d'abriter l'un des très grands événements mondiaux qui est les Trois Bassins. Au mois de novembre, c'était un succès total. On a eu la représentation d'à peu près une quarantaine de pays, dont la RDC, bien sûr. C'était un succès pour le pays, pour la ville et pour nous aussi.
On en a eu encore parce qu'on a le deuxième centre qui est le plus grand en Afrique, en taille, en technologie. On abrite pas mal d'événements. Ça va des conférences résidentielles, ça va de réunions, de séminaires, jusqu'au mariage. Et bien sûr, on n'oublie pas le côté touristique qu'on a mis en place depuis 2018, qui est le forfait week-end. Et la clientèle de la RDC et quinoise, c'est une clientèle très très importante pour nous. C'est normal, hein, on en a parlé, hein, les deux villes jumelles. C'est quelques mètres qu'ils ne les séparent. Protéger la participation et amplifier la voix des femmes qui construisent la paix en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de l'atelier de présentation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation aux femmes défenseurs de droits humains de la ville-province Kinshasa. Elles viennent d'être sensibilisées sur le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Elles, ce sont les femmes défenseuses de droits humains, membres de consortium Protection internationale et solidarité féminine pour la paix et le développement à Kinshasa. L'objectif de cette activité était de présenter les PDDRCS, ses opportunités et les enjeux d'implication de défenseuses de droits humains dans la mise en œuvre du dit programme et renforcer la capacité des participants à s'engager dans la promotion des droits humains et à la résolution de conflits. Ces femmes défenseuses de droits humains de la capitale ont été outillées par les experts du PDDRCS sur les différents piliers stratégiques de mise en œuvre du programme ainsi que le genre. Une initiative combien louable car la stratégie nationale du PDDRCS traite la question de l'intégration du genre parmi des thèmes transversaux, tout comme les droits humains suivant les différents traités et instruments nationaux et internationaux de protection de la femme. Avec l'ONU Femmes, la coordination nationale du PDDRCS attend à accroître la participation de la femme dans la mise en œuvre du programme et à ce, en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'objectif consiste à exhorter tous les acteurs à intégrer des perspectives genre dans tous les efforts de paix et de sécurité des nations, à mentionner dans ce mot de circonstances les délégués de coordonnateur national du PDDRCS, Jean Bosco Bala, le directeur des cabinets Dib Mukenge Wakalo. Les élections de sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs s'est confirmée pour le 29 avril prochain. Déjà, la commission électorale nationale indépendante s'active pour la réussite de ces scrutins. La centrale électorale de la République démocratique du Congo rassure, le 29 avril est la date retenue pour l'organisation des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs en RD Congo. Son vice-président Didi Manara est à pied d'œuvre dans la province du Kasai central pour les préparatifs de ces élections. À son arrivée à Kananga, chef-lieu de la province, il a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale, ce avant de s'y conscrire l'objet de sa mission. Nous sommes donc ici en mission officielle à Kananga pour nous enquérir des préparatifs pour la bonne tenue des élections pour pays, des élections indirectes, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections auront bel et bien lieu lundi 29 avril de cette année. Son Excellence, Monsieur le Président, la CENI Denis Kadima a voulu que nous puissions venir ici nous enquérir et comment les préparatifs sont en train de se dérouler. Nous disons que ces élections-là, pour des questions de célérité, nous devons les tenir au même moment. Ça sera d'abord les sénatoriales et puis les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs partout dans nos provinces. La lutte contre la corruption ne doit pas être l'apanage de la CENI. Non, c'est tout le monde, la presse, les députés eux-mêmes, les candidats et même toute la population. Parce que nous devons avoir de vrais élus. La Commission électorale nationale indépendante annonce déjà les couleurs aux candidats de se préparer en conséquence. Dans le secteur des ressources hydrauliques, notre reporter Anita Luamba nous parle d'un projet d'adduction d'eau potable dans quelques provinces. Placé sous la coordination nationale de l'ingénieur Deo Sunzu, le projet PRISE gagne ses lettres de noblesse en se révélant comme l'un des rares projets bénéficiaires d'un financement mixte Banque africaine de développement
État congolais à avoir atteint plus de 95% du taux de réalisation en rapport avec les objectifs lui assignés. En plus des appréciations laudatives, aussi bien des bailleurs de fonds que celles de la population bénéficiaire de l'impact de la première phase de ce projet, l'ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement, ainsi que son équipe, force l'admiration, même en dehors des frontières nationales. Les exploits réalisés par Prise 1 alimentent déjà les débats dans les divers forums internationaux où la majorité des intervenants s'accordent et affirment que le problème de la République démocratique du Congo n'est pas le manque d'une vision politique, mais plutôt la mauvaise foi de certains Congolais à qui l'on confie des responsabilités des projets. Ce serait pour la première fois dans ce pays qu'on ait atteint un taux de descente en eau potable de 51%. Et la vie de mouvement, je crois que c'est qu'on attendait avant les phénomènes bidonjo, je crois qu'on en parlait. C'est la suite. Ceux qui sont du côté du camp, dans les camps Miba, ceux qui sont vers les Ronkotala, la Rankata et autres, ils auront de l'eau parce que la conduite passe par là. La conduite principale passe par là et les pompes sont là. Dès que ces travaux d'extension se terminent, il suffit qu'on branche ces pompes, ils auront de l'eau. Il est donc temps de faire un diagnostic sans complaisance, a martelé un spécialiste de la politique congolaise en saluant les capacités managériales de Deo Sunzu, coordonnateur du projet PRISE. Voyons à présent ce qu'a été la conférence sur les enjeux et perspectives du secteur minier. Tout est parti par un débat juridique entre étudiants en droit, membres des Agora, une structure regroupant les étudiants en droit de l'UCC et l'UPC sur les avantages et désavantages du code minier révisé. Le code minier n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau, premièrement, tout d'abord, des dirigeants des communautés locales. Le code minier n'a pas tout réglementé. Et là, vous direz toujours que le problème vient à la communauté locale. Associé à cette conférence, le cadastre minier, par son directeur général, a expliqué aux étudiants l'apport du secteur minier dans la lutte contre la pauvreté. Paul Mabolia-Yenga a encouragé les apprenants à s'intéresser au secteur minier car il offre beaucoup d'opportunités. Nous sommes une génération qui passe d'une génération à une autre. Celles-ci sont en train d'être formées. Connaissent-ils le code minier? Connaissent-ils les difficultés qu'il y a dans l'application du code minier? Pourquoi ça ne bénéficie pas aux communautés locales? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. On a essayé de répondre, on a essayé de discuter et nous allons continuer à discuter. Nous avons dit que nous sommes prêts dans les travaux de fin de cycle, voir de quelle manière on peut susciter des petits financements pour qu'ils puissent faire des travaux ou des études sur ces problèmes que nous rencontrons et peut-être qu'ils ont des solutions. Le représentant du président de la Chambre des mines a quant à lui exposé sur l'industrie minière. Nous avons présenté le secteur de mines, qui est ce secteur catalyseur, surtout sa contribution à l'économie nationale. Mais des fois que nous stigmatisons, certes, il n'est pas le secteur idéal. Nous travaillons à son amélioration. Le professeur Jivendela, chef du département des droits économiques et sociaux de l'UPC et prof des droits miniers, a insisté sur l'importance des activités minières qui contribuent à une hauteur importante au budget du pays. Les étudiants se sont dit édifiés par ces échanges. Terminons par cette descente du secrétaire général au budget à la direction de la paye pour se faire une idée de listing de paye du deuxième trimestre de l'année en cours. Le secrétaire général au budget, Pierron Kessanamoko, est descendu à la direction suivi et exploitation des opérations des rémunérations, ancienne direction de paye, où il a tenu une séance de travail avec des animateurs de cette direction. Question pour lui d'avoir une idée claire sur l'état d'avancement d'impression des listings de paie du deuxième trimestre des agences et fonctionnaires de l'État. La vulgarisation de la nouvelle dénomination de cette direction a également fait objet lors des échanges. Nous sommes venus vérifier comment évoluent les travaux ici à la direction de la paie par rapport aux impressions des listings pour les T2, c'est-à-dire avril, mai, juin. Pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. Et désormais, les gens aussi seront habitués à la nouvelle dénomination de la direction de la paie. Ce sera la direction suivie et exploitation des opérations de rémunération. Mais c'est un motif de joie pour moi parce que le travail se déroule très bien. Les impressions des listings sont déjà à 80%. C'est un motif de joie. Donc, que les agents
public de l'État soit vraiment calme, tout se déroule très bien. La célérité dans le travail, la franche collaboration, l'ordre, le respect des textes de la hiérarchie, ainsi que le strict respect des trois éléments constitutifs de la rémunération, telle est la nouvelle vision de l'actuelle direction suivi et exploitation des opérations de rémunération, a martelé le secrétaire général au budget, car la paix sociale passe aussi par la rémunération régulière des agents et fonctionnaires de l'État. Mamita Bangoulou et Maxime Androkwa ont réalisé ce journal. José Dimonekene, Gabi Konga, Emile Zola, Alain Galia ont assuré la partie technique au nom donc de tous ces héros dans l'ombre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 13h30 avec Paulette Lomba.